Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Histoire Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière, j'ai envie de vous présenter un truc de ouf. Un truc que j'ai toujours surkiffé. Ce n'est pas ce pont, mais c'est ce vélo. Je vous avais indiqué dans la vidéo que je faisais dans la neige. D'ailleurs si ça résonne, c'est normal, on est sous un truc. La vidéo que je faisais sous la neige, je vous ai dit, voilà, j'étais en stage chez Peugeot. Et ils m'ont gentiment prêté les clés de ce véhicule. Je peux vous assurer que c'est un vrai bonheur à conduire. Pourquoi? Parce que c'est un vélo électrique, tout simplement. Donc là, il est en mode bloqué, mais avec cette clé que vous allez insérer dedans. Bien sûr, à chaque fois, je me trompe de clé. Avec cette clé que vous allez insérer à l'intérieur. Si j'y arrive. Voilà. Derrière, vous avez le petit cadenas. Voilà, qui est bloqué. Vous voyez le truc noir là? Voilà, ça a déverrouillé. Et là, on peut prendre le vélo et rouler avec. Et si vous voulez le reverrouiller, vous prenez et vous poussez ça. Enfin, en tournant la clé, bien entendu. Alors, très gros point fort de ce vélo, donc c'est traction avant. Pour le moteur, c'est une batterie. Celle-là, je crois que c'est 50 ou 60 km d'autonomie, je ne sais plus. Vous avez 50, 75 et 100 km d'autonomie. Chez là, je ne sais pas ce que c'est comme batterie, mais bon, voilà, elle reste quand même très bien. Vous démarrez le vélo, enfin le vélo, le moteur grâce à 7 boutons. Voilà, ça s'initialise. Donc voilà, donc là on peut voir que je suis plus qu'à 2 barres, parce que j'ai beaucoup roulé avec. Et vous avez également, vous pouvez choisir votre force. Donc là, moi je mets toujours en force 3, c'est celui qui tire le plus. Et je peux vous dire que quand vous tirez avec, c'est un vrai bonheur, hein, et vous le sentez bien qu'il pousse. Et lorsque vous restez allumé sur cette... Hop, voilà, vous l'avez vu ici. Ça allume lumière avant et lumière arrière. Donc il est équipé d'un panier, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Petit sandwich. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je vais éteindre parce que ça bouffe quand même de la batterie de laisser allumer comme ça. Voilà, donc c'est un vélo que j'ai vraiment super. Par contre, il n'y a pas de plateau. Il n'y en a pas besoin, évidemment. Vous avez 7 vitesses. C'est tout de même un Shimano. Là, il y a un truc qui bloque, mais c'est parce que le vélo est tout neuf. Donc voilà. Donc c'est Shimano. C'est un Shimano Altus. Hein. Ça reste quand même un très très bon... très très bon système. Enfin voilà, je voulais un petit peu vous montrer ce vélo parce que j'ai toujours surkiffé les vélos électriques et celui-là est vraiment super. Par contre, pour celui-là, vous comptez 1140 euros. 1140 euros avec la batterie la plus basse. Hein. 1140 euros, ça fait quand même très grosse somme. J'ai eu de la chance de pouvoir l'essayer. Par contre, ils me l'ont pas, voilà, ils me l'ont pas donné comme ça. Hein. J'ai signé comme une franchise de 700 euros derrière, 700 euros que vous engagez à payer si on vole votre véhicule. Donc voilà, c'est quand même un coût, un investissement, mais je pense vraiment qu'il vaut le coup. Frein à pantin, bon, c'est pas très important. Les suspensions sont bien, hein, sont plus ou moins correctes. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, je filme avec mon téléphone, donc c'est pas forcément très pratique, mais je vais essayer de vous amener faire un tour avec pour écouter un petit peu le bruit qu'il fait, notamment sur ce pont. On va écouter en descente. Juste avant, je vais finir mon petit sandwich et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. J'avais même pas remarqué qu'il y a le signe du lion là. Oh, c'est pas grave. Ok, donc on se retrouve après avoir fini mon petit sandwich. Je vais partir, on va rester sur le pont là. Que je vous fasse simplement écouter le bruit du moteur électrique. Donc une fois que vous avez déverrouillé le truc, vous ne pouvez plus enlever la clé. Donc on allume le moteur. Sur ce type de véhicule, j'ai lu la charte, les règles qu'il faut respecter. On est obligé d'allumer les feux. Donc déjà, je vais mettre puissance max. Et donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que le vélo vous envoie son énergie. Mais l'énergie s'arrête au bout de... Enfin, la puissance du moteur s'arrête au bout de 25 km/h. C'est-à-dire que lorsque vous avez dépassé le stade de 25 km/h, il se coupe. Bah, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Vous voyez un petit peu comme ça monte. Oh, c'est un truc de malade. Je suis désolé avec le vent, puisque c'est pas ma caméra, je vous répète que c'est mon téléphone. Donc c'est pas top top.
Mais je voulais vraiment vous le faire écouter. Donc on va repartir, on va essayer de pas pédaler parce que dès qu'on pédale... Le bruit qu'il fait, c'est juste un truc de malade. C'est un truc de ouf. La puissance qu'il dégage, je peux vous assurer que c'est un truc de malade. Putain. J'espère que vous réussirez à entendre. Désolé d'avance pour ceux qui ont un casque, puisque à mon avis, avec le vent, ça va bien vous niquer. Les oreilles, bien entendu. Putain, oh mais ce vélo, mais... Par contre, je te tiens une main, donc c'est vraiment pas... En fait, dès que vous pédalez, ça lance tout de suite le moteur. C'est-à-dire que lorsque vous pédalez pas, bah, le moteur... Voilà, il démarre pas, c'est pas un scooter, hein. Là, regardez comme je pédale. Je pédale tout doucement. On monte, mais alors... C'est un régal. Putain, je suis aux anges. Voilà. Oh putain, c'est un vrai bijou. Alors là, voyez. Voilà, l'utilité du moteur, on peut redémarrer une main. Ah putain, c'est un vrai bonheur. Je vous assure, je suis aux anges là. Ce vélo, c'est une merveille. On comprend les plus de 1000 euros qu'il y a derrière. Voilà, bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo pour ce Peugeot, en espérant qu'elle vous ait plu. Ouais, c'était une petite vidéo que je vous tournais comme ça sur le pouce, puisque je voulais absolument vous montrer ce vélo qui est une vraie merveille et que je surkiffe. J'ai essayé de le prendre tous les midis, mais bon, voilà, ça risque d'être compliqué. C'était Captain Black pour la chaîne XTR Pro. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ou à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était donc. Voilà quoi, c'est un plaisir de vous parler. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde.